Good morning, allez, Iden, les sutras aujourd'hui, le Nishmat Chayester, Bat Miram, ainsi que le Fatou, le Shimon Chayester, Khamshat Miram, Bat Rosen, Ben Khabiba, Bat Rosen, Shachol Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah contre 25 minutes, éternel, nous disons à Serre Tourbin, Pavi Dalet, Mishnah Dalet. Mi Sheyashav, Bat Derech, Ve Amad, Ve Ra'a, Ve Arehu, Samuch, La'ir, Ve Lo Haïta, Kavanato, Lekach. Lo Ikanes, Divrei, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Omer, Ikanes. Amar Rabbi Yehuda Masaya Venichnas Rabbi Tafon Belo Mitkaven. Je commence à traduire la Mishnah directement, après on expliquera plus dans les détails. Vous devez commencer à vous habituer depuis le temps maintenant qu'on parle des Rouvé Troumine. On a encore un perek et demi sur le sujet. Mi Sheyashav Baderech, celui qui s'est assis sur le chemin, s'assit par terre. Shabbat est en train d'entrer, c'est par qu'est-ce que je peux faire, je vais continuer à marcher. Il s'est installé. Puis Vehamad, et quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il découvre? Vera'a, et il a vu que quoi? Vareu Samuch Lahir. Il voit qu'en fait, il est déjà entré dans le périmètre de la ville. Waouh! Extraordinaire! Il pensait qu'il allait passer un Shabbat misken tout seul sur le chemin. D'un coup, il voit le soir, il voit au loin des fenêtres avec des nerfs de Shabbat merveilleux. Il pense, est-ce qu'il a le droit de partir dans la ville? Apparemment. C'est un peu plus profond que ça, mais probablement tel que c'est écrit. Donc il s'est retrouvé qu'il est Samuch Lahir. Eh bien, Veloaita Kavanoden Ekar. Le seul problème, c'est qu'il n'avait pas l'intention de passer le Shabbat dans la ville. Alors quoi? Eh bien, malgré tout, le Ikanes, il ne pourra plus rentrer dans la ville. Apparemment. C'est un peu plus subtil, pour le moment, c'est écrit comme ça. Divrei Rabbi Meir. Pardon. Telle est l'avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, Ikanes, il pourra rentrer. D'ailleurs, Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda, Maïsaïa, il y a déjà eu, ça s'est déjà produit, hein, une situation pareille. Benichnas Rabbi Tarfon, Belomikan, le grand Tana Rabbi Tarfon. Il se retrouve dans une situation pareille. Et il est entré dans la ville. Belo Mitkaven, alors qu'il n'avait pas d'intention. On va faire un petit peu du clair dans l'histoire. D'abord, tout d'abord. Lorsque je me retrouve en plein désert, ou dans la forêt, ou dans un endroit qui n'est pas délimité, et que je sais que je vais passer le Shabbat ici, alors il y a deux choses. Et à ma place, mes quatre amotes. Et autour de mes quatre amotes, on me donne 2000 amas. C'est le périmètre dans lequel je peux marcher. Ça, personne ne discute contre ça, c'est évident. Même Rabbi Meir, il est d'accord qu'en fait, depuis la place où tu es, tu as le droit de marcher 2000 amas. D'accord? Pour le moment, je vais expliquer un peu plus après ce qui se passe. Maintenant, si toutefois, je suis à proximité d'une ville, dans les 2000 amas de la ville, il s'avère donc, par exemple, je suis à 800 mètres de Jérusalem. Je suis arrivé, j'étais sur la route 443, à côté de, peu importe, en plein Binyamin, dans le domaine, là, et dans la région de Binyamin, et je suis arrivé à 800 mètres de Yerushalayim. Je suis donc dans le périmètre de la ville de Jérusalem. Alors là, si j'ai la possibilité d'avoir l'intention de passer le Shabbat dans la ville, et dans ce cas-là, j'ai le même statut que tous les habitants de la ville, même si je ne suis concrètement pas dans la ville. Parce que je suis dans le périmètre de la ville, grâce au périmètre de la ville, je m'appelle résident de la ville pour le Shabbat. J'ai le droit de me promener dans tout Jérusalem et même d'avoir les 2000 amas de l'autre côté, même si ça m'intéresse, si ça me prend de vouloir marcher jusqu'à Gilo, au sud de Jérusalem, et de sortir là-bas en direction de Hebron, Bethlehem, j'aurai le droit de le faire. D'accord? Parce que j'ai eu l'intention. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Dans cette Mishnah, la prochaine Mishnah, on va commencer à faire entrer l'intention. Elle est vachement importante. Là, on va la découvrir à petite dose. Dans la prochaine Mishnah, on va la découvrir à très grande dose. D'abord, premièrement, j'ai l'intention maintenant, donc, si j'ai l'intention explicite de passer mon Shabbat, d'être chauvette, ce qu'on appelle en hébreu, de passer mon Shabbat à Jérusalem, alors même si je ne suis pas encore entré dans la ville de Jérusalem, je m'appelle habitant, je suis considéré comme un résident de Jérusalem. Ça, c'est quand j'ai l'intention. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas l'intention, comme le cas se présente? Je me retrouve maintenant, donc je suis arrivé à 800 mètres de Jérusalem, avant l'arrivée de Ramoth. Maintenant, la nuit elle tombait, je n'avais même pas vu qu'il y avait des maisons, j'ai l'impression que c'était encore dans le désert. Et puis, donc je commence mon Shabbat. Après, je commence à marcher un petit peu, je réalise qu'en fait, j'étais à deux pas de l'entrée de Jérusalem, la dernière maison de Ramoth, elles étaient déjà là. Sur ça, Rabbi Meir va te dire, puisque tu n'avais pas d'intention d'être résident de Jérusalem, t'es pas résident de Jérusalem, t'es résident de ta place. Donc t'as tes quatre Ramoth, et t'as 2000 amas, tu pourras entrer dans Jérusalem, tu pourras te faire inviter dans les maisons, dans les premières maisons de Ramoth, puisque tu venais par là-bas, on a dit que tu viens par la route du Nord, tu pourras entrer, mais tu calcules, tu ne dépasses pas les 2000 amas. Tu pourras, pour les 5-6 premiers immeubles de Jérusalem, tu pourras te faire inviter là-bas, sans problème. Mais tu n'auras pas le droit d'aller plus loin. Pourquoi? Parce que si tu n'avais pas d'intention d'être résident de Jérusalem, donc
Ta place de Shabbat, c'est pas la ville. Ta place de Shabbat, c'est là où tu te trouves. De là où tu te trouves, t'as 2000 lamas. Ok? Viens Rabbi Yehuda et me dit non. À partir du moment où tu es dans le périmètre de Jérusalem, tu as eu l'intention de résider à cette place. Cette place, tu ne le savais peut-être pas, mais c'était déjà Jérusalem. Donc ça y est, tu es devenu habitant de Jérusalem. Tu as le même statut que les habitants de Jérusalem. D'accord? C'est la marloquette. Je suppose que d'après Rabbi Yehuda, je peux rentrer dans Jérusalem. Question technique. Est-ce que j'ai 2000 amas maintenant? J'étais à 800 mètres. D'accord? J'étais à, en fait, 800 mètres, ça fait 1600 amas. J'étais à 1600 amas de l'entrée de Jérusalem. Donc tu me dis que maintenant, j'ai un résident de Jérusalem. Mais un résident de Jérusalem, il a le droit de partir jusqu'à moi et 400 amas supplémentaires. Ma question technique, elle est, est-ce que j'ai même 2000 amas de l'autre côté? Apparemment, j'ai plus 2000 amas de l'autre côté. Puisque je savais peut-être pas, mais je suis devenu résident de Jérusalem. Je suis résident de Jérusalem, j'ai le droit de marcher 2000 amas. Comme tous les autres, c'est un petit détail qui m'échappe, en fait. Est-ce que, précisément, d'accord, Rabbi Yehuda, il me dit que j'ai le droit de marcher à l'intérieur de la ville. Mais quel statut j'ai par rapport aux habitants de la ville? Je m'appelle quoi? Comme si je suis habitant de la ville. J'ai le droit de marcher tout Jérusalem. J'ai le droit de sortir en dehors de Jérusalem, de l'autre côté. Au sud, je suis arrivé par le nord. Est-ce qu'on me donne aussi 2000 amas dans le sud? Ou bien non, on va me dire non. Est-ce que le fait que je réside malgré tout à 1000... J'ai commencé mon Shabbat à 1600 amas. Je suis considéré peut-être que comme si j'avais mis un hérouve à cet endroit-là. Donc c'est ça là ma place. Donc j'ai renoncé aux 2000 amas de l'autre côté. Apparemment, c'est un petit détail qui m'échappe. Je ne l'ai pas vu écrit, je n'ai pas trop cherché non plus. Mais de manière générale, on a compris le principe. Est-ce que le fait d'être dans le périmètre de la ville, est-ce que me permet, et que j'ai pas d'intention de résider dans la ville, est-ce que ça me définit comme résider dans la ville? Et sur ça, il rapporte une histoire qui a eu Bémet, une histoire avec Rabbi Tarfon, que Rabbi Tarfon il se retrouvait sur le bas chemin à Shabbat. Il s'est dit, bon, malheureusement, je me retrouve ici. C'est marrant comment les Tanaïm, ils se sont retrouvés dans des tas de situations pareilles, en plein bateau, dans un bateau avant Shabbat, en pleine route avant Shabbat. C'est assez étonnant, quoi. Ils prévoyaient pas leur coup. Apparemment, ils avaient des obligations. En tout cas, Rabbi Tarfon, la Gemara raconte, il s'est retrouvé dans une situation pareille. Et il y a eu un berger qui est parti apparemment faire un tour avec les animaux le Shabbat matin. Il a découvert Rabbi Tarfon sur le bâchon. Il dit, ah, Rabbi, qu'est-ce que tu fais là? Du coup, il lui dit, mais non, on a une ville à deux pas ici, viens. Du coup, Rabbi Tarfon est entré. Il a toute la journée, il a renseigné des halakhot. D'accord? Sur ça, Rabbi Meir, il lui dit, non, rien. Le Beit HaMidrash, lorsqu'il est parti, il était dans le périmètre des 2000 amas là où il était. Comme ça, là, Rabbi Meir répond à cette histoire de Rabbi Tarfon. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha Kol Tov.